Le panneau de droite du diptyque Picasso à Mougins, focalisé sur un autre tableau de Picasso, Pichet, bougeoir et casserole émaillée, est construit comme le panneau de gauche autour des trois mêmes centres de l'espace de la toile. Le tableau, le modèle, cette fois une nature morte, et Picasso, accompagné cette fois de colombes qui évoquent la longue relation de ce dernier avec les pigeons. Paloma en espagnol signifiant à la fois pigeon et colombe, depuis les pigeons de son père qu'il dessinait dans la poussière avec un bâton, jusqu'à la fameuse colombe de la paix. La presse péruvienne se fait l'écho des succès de Brown auprès de la critique parisienne.